Bonjour à toutes et tous, voici en quelques mots ce que cet ange peut nous accorder et ensuite la prière à cet ange. L'ange numéro 46, Ariel. Ange qui régente des énergies vénusiennes et solaires en même temps. Le texte traditionnel dit qu'on n'invoque cet ange gardien pour voir de façon anticipée notre avenir. Il porte le titre de Dieu révélateur et peut nous faire découvrir des trésors cachés afin de nous aider à réaliser nos aspirations, nos souhaits. Les prières à cet ange gardien doivent porter principalement sur des demandes de biens matériels qui, de toute évidence, permettront d'agir utilement et rapidement. L'ange Ariel aide à obtenir plus d'énergie, mais vous pouvez aussi l'invoquer pour fortifier votre organisme, prendre des forces physiques et morales et être sûr de mener à bien un projet. En évoquant Ariel, il vous permettra d'ouvrir votre esprit, de voir les choses ou les personnes différemment. Il vous aidera également à vivre plus apaisé. Il vous permettra de mieux vous connaître, de mieux vous accepter et de faire preuve davantage de discernement. Compassion, respect et écoute active vous permettront de vivre vos relations plus sereinement. Les protégés de Ariel pourront faire une découverte très importante, soit spirituelle, soit un trésor matériel qui changera dans les deux cas leur vie, car ils disposeront de nouvelles possibilités. Prière à l'ange Ariel. Ange de lumière, de la révélation et de l'intuition. L'esprit tourmenté, je me tourne aujourd'hui vers toi et te lance un appel. Lève sur mon chemin les blocages qui m'empêchent d'avancer. Fais taire mes doutes et mes craintes. Développe en moi la clairvoyance et l'intuition. Fais que de nouvelles idées germent en moi et me montre le chemin d'une route qui m'emmènera vers le soleil et la lumière. Révèle-moi, ange Ariel, tous les secrets enfermés dans ta profondeur divine, afin que je puisse les transmettre à la société des humains, mes frères. Et alors, accorde-moi la grâce de réussir pleinement mon existence, car ma réussite sera ta réussite et celle du Créateur et Maître de l'univers pour le plus grand bien de tous. Merci avec toute ma gratitude. Que l'amour et la lumière guident chacun de mes pas.